son téléphone dans la machine à laver. Bon. Tu te rends pas compte? Après, on a pu savoir l'enlever. Là, franchement, j'en ai marre de vous. Bon, allez, Esteban, on va aller là. Derrière toi. Salut. Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Maman, elle est encore partie dehors pour s'amuser. Et nous, on est tout seuls. Ça m'énerve. Bon, Mama Pink veut pas qu'on sorte avec elle. Elle nous laisse tout seuls ici. Et bah, on va se venger. Hop, son téléphone dans la machine à laver. Les télécommandes dans la machine à laver. Et c'est parti pour un bon petit lavage. Quand elle va revenir et qu'elle va voir tout ça cassé, ah, j'ai trop hâte. Ah, il faut que je trouve un moyen pour me venger. Et pour faire plein de bêtises. Ily Rose, tu devineras jamais comment je me suis vengée. J'ai mis son téléphone et ça m'a... Je sais pas ce que je dis. Ses télécommandes, son téléphone dans la machine à laver, comme ça, quand elle va lancer un lavage, tout ça, ça va être cassé. D'ailleurs, t'es où? Ah, t'es dans ton lit. Trop bien comme idée. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais dessiner sur son papier peint dans sa chambre. Elle va être énervée, c'est sûr. Ouais, moi, il faut que je trouve aussi un autre truc à faire. Encore plus embêtant pour elle. Tiens, je vais éclater une boule puante dans ses draps. Ça, c'est trop bien. Comme ça, quand elle va aller se coucher, ça va sentir le poisson pourri. Enfin, comme ta bouche, Lyrose. C'est toi qui pue le poisson pourri. Et toi, tu pues pas que de la bouche, tu pues tout court. Allez, c'est parti. On va tous les deux faire des trop bonnes bêtises. Et quand elle reviendra... Bon, allez, moi, j'y vais. Ouais, ouais, c'est dans ce placard-là. Bon, allez, go dessiner sur le papier peint de Mama Pink. Allez, c'est parti, on va dessiner un gros caca puant. Mais enfin, tu te rends pas compte? Après, on va plus savoir l'enlever. Là, franchement, j'en ai marre de vous, hein. Je crois que je vais vous virer tous les deux, hein. Pourquoi? J'en peux plus, hein. Pourquoi? Vous n'arrêtez pas de faire des bêtises. Mais c'est bon, c'est pas grave, c'est bon, j'ai juste dessiné. C'est pas grave, si c'est grave. Mais tu peux le remplacer, c'est pas comme non, si... Non, et non. C'est pas comme si tu dessinais, je sais pas, sur une carte. Tu ne dessines pas dans ma chambre, et puis c'est tout. Oh là là. Il y a des feuilles pour dessiner. Ouais, bah... Je crois que je vais vous virer tous les deux. C'est bon, j'ai mis la boule puante dans ses draps, comme ça quand elle va dormir, ça va être trop drôle et tout. Attends, j'espère qu'elle l'a pas vue, parce que là, apparemment, elle est rentrée. Bah, ça va pas, Lily Rose? Ouais, bah, ça va pas trop, parce que j'ai parlé un petit peu avec maman et elle a décidé de nous virer et de nous envoyer dans une maison hantée. Je sais même pas où c'est. Peut-être que c'est loin, peut-être que c'est près. Dans une maison hantée? Mais c'est pas possible! J'ai peur! Je sais qu'ils ont une maison abandonnée, pas trop loin d'ici. Enfin, pas trop loin. Il faudra quand même rouler avec la voiture pas mal de temps. Mais si on est emmené là-bas, ah, j'en ai des frissons. Une fois, on y a passé une nuit et il y avait plein de bruits super étranges. Et surtout, si on va là-bas tout seul, on reviendra plus jamais. Bon, bah, je vais préparer quelques affaires et voilà. Bon, je prends mon sac, pas besoin d'habits. C'est bon, de toute façon, on va essayer de s'en sortir. On va pas rester dans cette maison toute notre vie. Bon, allez, je vais prendre déjà une petite bouteille d'eau, mon téléphone. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Ah, j'ai pas d'idée, je sais pas du tout. Bon, je vais quand même prendre quelques habits, ça peut nous servir. Hop, un pull. Mais ça pue dans cette chambre. Ah bah c'est bon, Lily Rose, t'es prête là? T'as fait tes affaires? De toute façon, elle va pas tarder à nous virer là. Elle a découvert le truc de la boule puante, elle arrête pas de dire que ça pue partout. Ouais, c'est bon, j'ai tout. J'ai pris quelques affaires, une bouteille d'eau, quelques habits et je pense que ça suffit. J'espère qu'on va pas rester longtemps dans cette maison. Je sais même pas à quoi elle ressemble. J'ai peur, j'ai pas envie de partir d'ici. Bon allez, c'est bon, on y va là. A few moments later. Bon allez, c'est parti. Ça leur donnera une bonne leçon. Non, je veux pas. Je veux pas, je veux rester ici. Je reste ici, Esteban, y part, ça te dit? Promis, je fais plus jamais de bêtises. Ok, d'accord. Bon allez, Esteban, on va aller là. C'est tout en haut de la maison, ça fait un petit peu peur, mais bon, je pense qu'ici personne peut nous trouver. À moins que ce soit un repère pour les gens bizarres, mais bon, on va y aller quand même, on verra. Alors là, peut-être dans ce coin-là, peut-être qu'on pourra passer la nuit ici. Lily Rose? Ah! Il y a quoi dans ce tiroir? Dans ce tiroir, dans cette armoire? Oh là 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 là. Il y a quelqu'un! Eh oh! Oh non, ça va! C'était juste une chauve-souris. Oh, y a personne à ce que je vois. Y a quelqu'un? Vraiment? Y a personne? Oh, génial! On peut rester ici! La voie est libre! Ah, c'est bien si ici y a rien. Enfin, y a rien. Y a personne, quoi. Parce que dans les autres coins, c'est vraiment paumé. Y a des toiles d'araignée partout.
Et ici, il y a des chauves-souris. Ah, oh, c'est crade. Mais bon, au moins, si on est au calme, c'est toujours ça de gagner. Regarde, il y a un matelas ici. On pourra dormir. Génial. On a de la chance quand même. Allez, vite, on va le prendre. Ah, oh, mais il est tout sale. Qui a dormi dedans? Bon, bah, on va se contenter du sol, je pense. Bon, d'ailleurs, je vais fermer la porte pour pas qu'on ait des visites pendant la nuit. Parce que ça serait vraiment dommage. Comme on va rester ici des jours et des jours. Je vois pas trop d'endroits pour dormir ici. Hein. Ça m'a l'air un peu sale. Mais bon. Ah, peut-être sur un sac, là. Ah, ah, y a un truc pourri dans le sac. Ah, il doit y avoir des rats bizarres qui sont morts un peu partout. Ah, trop bien, un matelas. Ouais, bon, même s'il est sale, moi je dors dessus. T'as entendu là? Ça vient de l'armoire là-bas. Vite, vite, pars d'ici. Ah, moi aussi j'ai entendu. Vite, ah, j'ai peur, au secours, et c'est pas le temps, moi. Donc là, on a dû fuir l'endroit où on comptait dormir parce qu'il y a eu des bruits bizarres. C'est bizarre. Et partout dans la maison, il y a comme des odeurs de pourri, tout ça. Ouais, ça sent vraiment pas bon. Et là, on voulait sortir. Et regardez. Mais c'est fermé. Tout a été bloqué. Parce que la maison est abandonnée, du coup, les propriétaires d'avant ont dû fermer. Ouais, mais nous, quand on est rentrés, c'était pas fermé comme ça. Ah, oh, je m'en rappelle plus. Bah, on est passé par la porte. Ah, oui, c'est vrai. Et là, tout ça, bon, là, ça va, c'est assez rangé. Ça va, mais bon, à l'intérieur, il y a que des trucs pourris. Et là, bah, c'est bloqué. Et quand on a essayé d'ouvrir le cadenas, regardez. C'est bloqué à fond. Donc on sait pas quoi faire. Attends, peut-être qu'il y a une pièce. Vas-y, rentre. Rentre dans cette pièce là. Oh, c'est bon. Attends, et l'autre pièce? Des toilettes. Et là? Oh, vas-y, par là. Allume la lumière. Allume la lumière. Attends, attends, c'est trop bizarre. J'espère que t'as réussi. Oh, regarde. Attends. Derrière toi. Attends. Ah, non, vite. Oh, oh, punaise. J'ai dû enfermer l'Irose. J'ai dû. L'Irose? Regardez, il y a une araignée là. Je sais pas si on la voit. Liros, ça va? Elle parle plus. Attends, si j'ouvre la pièce et qu'elle est plus là et que la lumière a été fermée, comment on va faire? Non! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Liros! Liros! Voilà, je vous jure qu'on était en train de faire un scénario là, un sketch, et tout a disparu. Liros! Liros! La lumière, c'est bon. Liros! Elle est partie. Oh là là, comment je vais faire? Comment je vais faire là? Ah là, c'est plus un prank là. Je peux pas sortir de la maison. À chaque fois que je rentre dans une pièce, on peut être enlevé. Heureuse. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Donc voilà. Tu m'as fait un prank là? Oui. Non mais du coup, comment on va sortir de la maison là? C'est pas une blague. Bah, je sais pas. Bon allez, on sort, on essaie de sortir. Si on réussit à sortir, c'est la fin de la vidéo. Ouais. On essaiera de retrouver notre... Attends, c'est qui là-bas? C'est notre mère là. C'est Mama Pink. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle voulait nous abandonner. Attends, viens, on va la voir. Viens, on va la voir vite. Dépêche-toi.